Salut à tous et à tous, c'est ArnaudVasu13 et aujourd'hui on se retrouve de Mars qui s'appelle Bloodborne, voilà. Donc c'est un jeu de type Dark Souls, voilà. Voilà, ils sont assez bons. Alors je vais voir les commandes. Caméra automatique. Non, fou. Mais je veux voir les commandes là, comment on joue en fait? La musique on s'en fout un peu. Hein. Voilà. Faire plus. Bon, on va laisser plutôt comme ça. Luminosité, on va mettre à fond. Voilà. Bon, c'est bon, hein, ça sauvegarde automatiquement. Alors, langue, texte, bah, défaut, hein, tout est en français normalement. On va mettre français. Voilà, français. Et bon, on va désactiver les sous-titres. Vu que c'est en français. Yo, bat ça quand même, bienvenue sur live. Ah, voilà, sous-titres désactivés vu que c'est en français. J'ai mis là. Ah tu sais quoi, la musique laisse tomber. Non non, on va mettre la musique à 5. Voilà. Donc c'est bon. Allez, nouvelle partie. Ouais c'est bon. Donc je vous laisse la cinématique. Parce que moi aussi je vais la découvrir. Eh bien, vous êtes au bon endroit. La thérapie du sang a été créée à Yharnam. Il ne vous reste qu'à dévoiler ses mystères. Mais par où un étranger comme vous doit-il commencer? C'est simple, par une petite dose de sang de Yharnam. Avant tout, vous devez rédiger un contrat. C'est quoi ce gars? Le jeu a l'air intéressant quand même. Ça doit... Ah bah on peut créer son perso, bah c'est super. Bah déjà saisi le nom. Bah on va l'appeler Arnaud quand même, Arnaud Vas-y 13. J'espère que ça marche. Parce que si on va l'appeler que Arnaud. Est-ce qu'on va l'appeler Arnaud Vas-y 13 Gaming? Est-ce que ça marche? Arnaud Vas-y 13 Gaming. Oh non, putain, bon, Arnaud Vas-y 13, allez. Sexe. Non. Homme, bien sûr. Âge jeune ou mûr? Ouais, mûr au moins. Ouais, on est mûr. Ouais. On est majeur. On n'est pas majeur, nous. Chimi, dernier survivant, enfance perturbée. Oh putain, passé violent. J'adore. Professionnel, vétéran de guerre. Ah, pas mal. Noble rejeton, cruel destin. Ah ouais, mais mec. Gâchis. Ah donc en gros, ouais, on n'est pas très... Alors là on est niveau 10 et dans Gâchis on est niveau 4. Bon, on va prendre un truc qui vaut pas mal. Non, tu sais quoi, on va garder timide. Hein, parce que parfois, tu vois, voilà. Bon. Apparente, alors la voix. Bah ouais, nature, hein, vu qu'on est âge mûr. Oh non, il y a mon cousin qui m'invite, alors vous savez quoi? Je vais me mettre en hors ligne. Comme ça, il va pas m'inviter. Carrure, charpentée. Physique musclé en haut du corps. Charpentée en bas, petite tête, grosse tête. Physique très musclé, voilà. On est des ouf, nous. Non, c'est bon, hein, c'est ça la carrure. Couleur de peau de bonne, c'est bon, on va laisser comme ça. Détail du visage, c'est comme ça. On va pas se ressembler non plus, hein. On va pas trop. Voilà. Hop. Bah, c'est bon, on va laisser comme ça. Origine. Ah non, c'est ça, d'accord. J'ai cru origine France, des trucs comme ça, non. Ah non, attends, écho de sang. C'est survivant d'un mot perdu, forte essence de vie et de vigueur. Voilà, éducation simple, tous vos attributs sont moyens. C'est quoi le nom du jeu? C'est Bloodborne. C'est écrit dans le live. Alors, finaliser le contrat, voilà. Alors, exploser en une... Ah, gerbe de flamme. Ah, ça, c'est le cocktail Molotov. Ah ouais, donc en fait, ça va être une sorte de jeu... ouais. Donc, c'est le gameplay à la Dark Souls, mais assez différent, quand même.
Ça a l'air plutôt pas mal. Donc ça a l'air intéressant, hein, Bloodborne. Donc c'est une bonne découverte que je vais faire avec vous, les gars, en live. Alors. Tout est signé et scellé. À présent, commençons la transfusion. Transfusion, vous ouais. Vous pas. Quoi le mec a l'air bizarre. Vous penserez qu'il s'agit d'un mauvais rêve. On est déjà sur rien, il est pas crédible, ça se voit qu'il va nous faire quelque chose là. Il va nous faire une expérience bizarre, expérience sociale. Non, non, je rigole là, on va pas faire des blagues à la Libra TV là. Donc salut à toi le deuxième viewer, bienvenue sur live. Ah d'accord, mec, tu nous as laissé tout seul là. Il y a un putain de monstre là, loup-garou bizarre là. Coucou Webea, elle est pas là, elle est partie. Ah ouais, mais. N'importe quoi, il brûle et. C'est quoi ce vieux, il fait peur MDR. Ben, je sais pas, on dirait que c'est une sorte de docteur bizarre. Je sais pas, franchement, ce jeu, je le découvre avec vous. Là maintenant on a des espèces de zombies bizarres aussi. Alors mec le jeu il fait... C'est quoi ce truc tu vois? C'est des zombies croisés avec des aliens s'il te plaît. Glu, bon live à toi, à tous. Lâchez votre pouce bloqué, moi je peux pas rester. Ok ça marche Kaké, bien... merci d'être passé en... quand même sur le live. Ah bah voilà je suis là. C'est Nick de Yosefka. Ah, le mec s'appelle Yosefka. Le mec il a un nom russe le gars. Ah super. Du coup, est-ce qu'on peut fouiller des choses? Je sais qu'on peut fouiller dans ce jeu. Mais... Voilà, on peut ouvrir une porte, ouais, super. Ah, inspecter, voilà. Rechercher le palais-sang pour transcender la chasse. Le palais-sang. Enfin, le palais-sang, hein. Pas le palais-sang, parce que là, j'ai mal lu. Ah, on peut casser des trucs avec la physique, super. Il m'a dit que je viens chez toi. Ah bon, quand? Je sais pas, aujourd'hui? Je savais même pas. Putain, c'est quoi cet endroit? C'est un truc de fou. C'est quoi cette clinique, quoi? Vous savez que tout le monde est mort. Ah, il y a un truc. Verrouiller, relâcher cible. Ah d'accord, c'est eux qui tiennent les... On dirait les trois petits verres dans Men in Black, je jure. Qui boivent du café là. Et, sauf que là c'était des alliés. Merde. Je vais me faire repérer. Je vais me faire repérer. Voilà. Je tryhard. Restaurer les PV, d'accord. Là, flemme de sang. Oh là là. Oh là là, il est là le monstre. Vite, par toi. Allez, mais putain, ouvre la porte. Il est en train de t'attaquer, en plus tu ouvres pas la porte. Là c'est quoi? Balle de vif argent. Yes, on a le club. Mais je sais pas comment jouer. Comment on tire? Oh putain. Moi il m'a tué. Bon bah je suis mort. Voilà, première mort du jeu. Et en plus c'est écrit comme Dark Souls. T'es mort. Je te jure, vous êtes mort comme dans Dark Souls, c'est écrit. C'est un truc de malade. Alors je n'ai jamais joué à un Dark Souls, hein, même le 2. D'ailleurs, il y a le Dark Souls remasterisé qui va sortir. Il va être entièrement retravaillé, le jeu. Ah, mais on est obligé de mourir, en fait. Je pense. Mais bon, je crois que si on meurt, en fait, on a perdu tout, en fait. On a tout perdu, quoi. Non? Je sais pas, ça a l'air trop bizarre, le jeu. Là, il est mort. Ah d'accord, on est atterri dans un endroit bizarre, t'sais. Ouais. Bienvenue au paradis. Ah, reine du chasseur. Pierre tombale, éveillez-vous dans une zone de germain sélectionnée. Ah, en fait, on est au paradis. Mais on peut se téléporter vers là où on était mort. Ah d'accord, mais je sais pas comment tirer, viser, des trucs comme ça, là. Vas-y, ça me gonfle.
Je te jure, là, j'ai envie d'appuyer tous les boutons, je te jure, pour voir ça. Déjà, je sais que l'inventaire, c'est soit pavé tactile, soit start. Ah, on peut retourner là-dedans. Super, ça. C'est quoi? Attaquer. Ah, d'accord. Ah, d'accord, on peut utiliser nos points pour... Ouais, et L1. Ah ouais, d'accord. J'ai compris, là c'est quoi? Lorsqu'une cible est verrouillée, vous faites un pas rapide au lieu d'une roulade. Salut Ghost Survivor, bienvenue sur live. Attends. Oh! 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 Oh, je suis en train de le tuer avec mes poings! Ouais, je l'ai tué! Ah, il y a de l'endurance, d'accord, il y a la jauge d'endurance. Oh, on peut faire une attaque lourde. Ah, mais mec, je me fais victime là. Mais je suis mort. Mais what the fuck? Putain, je suis encore mort, ça fait deux morts, mon gars. Comment je vais faire pour finir ce jeu? Parce que les jeux de type Dark Souls sont des jeux interminables. Même si vous croyez avoir fini, il y a encore des trucs. Ou alors vous pouvez encore le refaire. C'est un truc de malade. J'ai rien compris, mais en tout cas, je l'ai attaqué. Hein. Ah ben voilà. Pétard! Ouah, il est en train de me tuer, mon gars. Ah d'accord, je l'attaque, ça me donne de la vie. Oh putain, vite, pars-toi! Allez, frappe-le, frappe-le, frappe-le. Voilà. Voilà, tue-le, tue-le. Oh putain. Fiole de sang, fiole de sang. Voilà. Allez, deuxième fiole de sang. Allez, allez. Oh le fils de. Oh le fils de. Ah, il m'a tué. Elle est où? Je sais pas, moi, où elle est. Elle est partie à la poste. Et après, elle m'a plus rien dit. Je sais pas, moi. Ah ouais, mais c'est n'importe quoi. J'arrive même pas à le battre. Alors que le gars, je lui mets n'importe quel coup. Bon, tu sais quoi, on va retourner dans un du chasseur. Parce que là, c'est n'importe quoi. Là c'est n'importe quoi. J'arrive à. Je joue comme de la merde. Franchement, là. Je sais pas pourquoi je joue comme ça, en fait. Ben, c'est normal, c'est une découverte. Hein, sinon. Pierre tombale de l'éveil. Là, c'est quoi? Recevoir ça. Cadeau des messagers. Ben, tu sais quoi? On peut pas tout prendre. Pistolet de chasseur, tromblon de chasseur, voilà, ça fait plus de trucs. Cadeau des messagers. Là. Carnet donné par les messagers. Ne s'ouvre pas. Ah d'accord, il faut ouvrir ça en fait. Inspecter une poupée abandonnée. Ah c'est tout. Échanger des échos de sang auprès des messagers pour acheter et vendre des objets. Alors, je vais vendre quoi? Ça, balle de vie d'argent. Ah, mais non, c'est des balles, d'accord. Ah, bah, c'est là, c'est bon là. Attends, fais voir. Voilà, coup précis. Ensuite, les habits, on s'en fout. Voilà, comme ça, je retourne à l'infirmerie. Voilà. Et là, maintenant, je peux le défoncer. Et ça, c'est bien. Eh oui, c'était ça, il fallait accepter le cadeau des gens là.
Et là, on revient. Et voilà, maintenant on peut lui défoncer sa gueule. Et voilà, on l'a tué. Écho de sang récupéré, fouiller le cadavre, fiole de sang, voilà. Regarde-moi ça. Non, je peux même bouger le cadavre. C'est un truc de fou. Je peux bouger le cadavre du monstre. Et quoi, restaurer les PV, bon ça on sait. Mais bon, j'ai une putain d'arme, laisse tomber. Mais comment on fait pour équiper les... Ah voilà, tromblon de chasseur, bah voilà. Ah d'accord, faut tirer avec L2, d'accord. J'ai compris maintenant. On peut fouiller les cercueils, des trucs comme ça. Non, on peut rien fouiller du tout. Ça fait un peu penser à Londres, un peu, non? À l'univers comme ça. Putain, la porte qui s'ouvre même pas, tu sais. Ah non, c'est Yharnam. D'accord, c'est un endroit qui s'appelle Yharnam. Mais ça fait un peu penser à Londres. Hein. Je vous le dis. Hein. Fouiller le corps, fiole de sang. Oh, 4 fioles de sang le mec il avait. Ah ouais, c'est trop bien. Là y a pas grand chose. Putain, on peut pas. On peut pas. Oh, je les vends pas. Ah, je l'ai tué. Jack l'éventreur, je l'ai tué. Truc de fou. Ah, c'est un truc de fou la physique des cadavres là. Ah, on peut fouiller ça. Seul 200. En tout cas, on va y voir lui. Voilà, comme ça on est full santé. Quoi, il est mort lui? En un coup le mec. Lui aussi en un coup. Comment ça se fait? Voilà. Cocktail Molotov. Oh, trop bon. Arnaud, je suis palier 100. Non, arrête. T'as acheté les paliers, sérieux. D'accord, on peut tout casser, quoi. C'est un truc de malade. Non, on peut pas casser les cercueils. Sinon, ça aurait été bizarre. On peut même pas casser les portes. Bon, on va ouvrir cette porte. Fermée par un mécanisme. Alors, il faut activer ce truc. Mais oui, mon frère. Ah bon? Ça, c'est bizarre. Cet appareil n'est pas en état fonctionnel. Ah, on peut monter à l'échelle, ça va. What? J'ai entendu un monstre. Allumez la lampe. Cette lampe vous ramène désormais dans le rêve du chasseur. Après votre mort, vous éveillerez auprès de cette lampe. Ah d'accord, c'est un lieu de téléportation en fait. Genre si on est mort, on apparaît là en fait. Ah c'est bien ça. Et ouais, faut tout le temps allumer les lampes après quand on atteint les lampes. C'est bien ça. Pour revenir au truc du chasseur. Je saute pas de ce côté. Ah bah super. Attends, on va casser ça. Bon, c'est pas grand chose, hein. On va fouiller ce cadavre. Un galet. Qu'est-ce que j'ai foutre avec ça? Un galet. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que tu fous là, toi, frère? Allez, tiens. Il est tombé comme une merde, c'est un truc de malade. Il se met à genoux et après le bruh, tu vois. Bruh. Allez hop! C'est un étranger! Cocktail Molotov. Bon là y'a pas grand chose. Oh putain le feu! J'avais pas vu! Ah c'est vraiment intéressant! Hein. C'est un truc de malade! Hein.
Ouais, j'ai tué les deux. En mode au calme. J'ai rien fait du tout. Voilà, je me remets de la vie un peu. Rejoins vocal. Oh putain. En plus, il avait un fusil, le gars. Il avait un tromblon. Balle de vif argent, bah super. Comme ça, il me redonne des balles, lui. Ah d'accord, merde, c'est... Attends, bah tu sais quoi? Pourquoi ça tire pas comme ça? Ouais, je suis mort. Non, arrête. Je m'en calme. Ouais, ça va, je vais rejoindre. Là où j'étais, mais ça c'est bien. Oh non, mais c'est les mêmes gars. Et en plus, tu perds tes sous quand tu perds tes sous quand tu quand tu quand tu, quand tu meurs face à un ennemi. Ouais, c'est quoi lui? Il a convulsé. Arnaud, tu joues à quoi? Je joue à Bloodborne, c'est écrit sur le live. Fais une petite découverte. Bah c'est gratuit sur PS Plus du mois, si tu veux le télécharger ou pas, comme ça le découvrir. T'as fait du gros bien. C'est n'importe quoi. Ah vas-y, ils m'ont tué toute ma santé, c'est un peu malade. Ah bah voilà, là il y a des bons ennemis là. Quoi? T'as dit quoi? C'est Peggy combien? C'est 16. Oh, Arnaud, il a une bonne survie en anglais. Ah, c'est bien ça. Ah, vas-y, je suis mort. Vas-y, j'ai tué deux mecs là. J'ai tué deux gars, ben, ça y est. Oh, les mais deux... t'as vu, moi, vu que je suis parti, tu sais où? Non, je sais plus. En Algérie? Ah, oui, c'est vrai. Oh, je sais plus comment jouer à Fortnite. Ah, ouais. Et ouais, quand t'as trop l'habitude, après tu la perds. Mais tu la perds quand t'as l'habitude, quand t'as trop longtemps joué et qu'après. Alors, les mecs comme ça, je les tue en deux coups. Mais les autres, non, en trois coups quoi. Ou en deux coups, deux coups puissants. Ah d'accord. Vas-y, fais voir, fiole de sang, bah super. Comme ça je vais me régénérer de la santé. Mais je comprends pas que le mec il doit boire des fioles de sang pour se régénérer de la santé. En fait le mec c'est un vampire. Mais comment ça se fait, t'es au palier de sang? On dirait que t'as acheté des paliers, c'est pour ça. Mais c'est mon frère, il les a fait. Ah bon? Il est trop gentil. Oh. Ah ouais, super. Oh, j'ai tué les deux. Parce que mon frère part trop sur Fortnite. Oh, ouais. Mais comment il s'appelle? Il est devenu fort. Comment il s'appelle là? Le dernier m'a dit ouais, c'était un vieux. Je le connais, je jouais dans les jeux de PS3, je sais pas. Je connais pas. Non, mais lui, on va les sang là. Lui, on va les sang, je sais pas. Allez, ouvre la porte, putain, il met 2 heures à ouvrir la porte. Vas-y, il m'a mis du feu. Bon, je l'ai tué quand même. Hein. L'appareil n'est pas à l'état fonctionnel, mais je sais déjà. Oh, lui aussi, vas-y. Voilà. Putain, en un coup, je l'ai tué. C'est un truc de malade. Mais j'avais déjà fouillé cet endroit. Je comprends pas pourquoi je les retue en fait. Parce qu'ils adorent ça, ils adorent mourir en fait. Ils adorent mourir. Là, les ennemis que je tue dans Bloodborne là.
sont trop nuls. Genre en un coup puissant, ils sont morts. Fermé par un mécanisme, super. C'est bien, c'est un très bon jeu d'aventure, hein, perso. Je vais voir qu'est-ce que je... Mais pourquoi il est comme ça, le truc? Attends. Ah, parce que... D'accord, c'est pour ça. Ah, on peut avoir une deuxième arme, main gauche. D'accord. Ouais, d'accord. Ouais. Ah, c'est bien ça, c'est cool. On peut changer... Ah ouais, on peut garder que soit l'épée, la coupe précise. D'accord. Cool. Ah, obtenir les codes sang, voilà. En fait, les échos de sang, c'est la monnaie du jeu, quoi. Frapper à la porte. Sale intrus. Qui ouvrirait sa porte par une nuit de chasse? Fichez le camp, tout de suite. Sale intrus. Qui ouvrirait sa porte par une nuit de chasse? Fichez le camp. Ah d'accord, il veut pas qu'on entre chez lui, quoi. Oh, pas bien, quoi. Allez, au revoir. Allez, viens là, toi. Allez, viens là. Il y a un gars, il me tire dessus. Allez, tiens. Allez, hop. Allez, donne-moi des balles, quoi. Voilà, balle de vif argent. Fragment de pierre de sang. Allez, je t'ai tué. Allez, hop. Ah, oh, mais ils sont trop nuls, franchement. C'est quoi ces gens là? Alors, ils tuent des civils, mais ils me tuent même pas, tu vois. Ouais, j'ai pris cher. Mais c'est lui qui a pris cher le plus. Est-ce qu'on peut ouvrir là? Non, même pas. Pas là non plus, je suppose, c'est super. Lui, il va mourir. Ah bah voilà, tu me donnes une fiole de sang, super. Ah bah deux fioles de sang lui, bah super, il est généreux le gars. C'est bon fait la garde. Mais non! Non, arrête! Je suis mort. Ah ouais, d'accord. Alors, je crois que je suis mort 4-5 fois. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Mais quand tu fais le papa, on va sur 20, t'as quoi? Bah, en fait, t'as rien, en fait. Hein. C'est juste un événement en fait, le topage je crois il compte pas dans le truc. Ouais, dans les événements là, je vois que c'est... Ces mecs là ils me feront toujours rire parce qu'ils font que crever. Par des coups puissants. Enfin lui aussi il est mort comme ça. Parce que je lui ai mis un coup dans le bouclier. Voilà. Et voilà.
Super, je les ai tués tous. Putain, mais ils m'attaquent les deux en même temps, mais... Putain, ça me gonfle ça, les mecs qui attaquent les deux en même temps. Ouais. Attends, je suis mal assis en plus sur ma chaise. Voilà. Bon, c'est quoi, on va revenir au raid du chasseur. Parce que là, on est vraiment pas très équipé pour affronter tout le monde, hein. Et j'espère qu'on a des sous surtout. Parce que là, si on n'a rien, là, on va... Ah bah on a ouvert la porte, bah super. Vous devez être le nouveau chasseur. Bienvenue. Être le nouveau chasseur. Bienvenue dans le rêve du chasseur. C'est votre demeure. Pour l'instant, je suis... German, ami de vos autres chasseurs. Votre esprit est sans doute embrumé, mais... Ne réfléchissez pas trop à tout cela. Contentez-vous d'aller tuer quelques monstres. Allô? Ouais. Allô? Ouais. Vous y ferez. Ça ne dit pas de venir comme ça sur Fortnite. Ouais, après. Dans combien de temps? Ouais, je sais pas. Parce que là, c'est ça. Parce que là, sinon, ça ferait une petite découverte. Mais moi, j'ai envie de faire plus, tu vois. Parce que là, ça fait. C'est bizarre que je joue qu'une demi-heure, tu vois, dessus. C'est pas trop. C'est quoi, fais mort? Genre lui. Vas-y, je lui vends des galets. Hop. Mais vas-y, ouais. Comme ça, on fait une top 1 comme tous les jours. Hein. Allez, tous je vais vous montrer moi un top comme ça, je vais essayer d'être. Tous les jours, les abonnés à Arnaud, sur Fortnite, on fait une partie, on fait une top 1, ça c'est fou. Ah, là, il y a des tenues. Ah ouais. Mais c'est comment la défense dans ce jeu? C'est ça? Tu veux que je regarde sur YouTube? Non, non, c'est bon. Bon, là, je vais explorer le. Ah, fais voir les messages, fais voir. Après avoir nanana, vous pouvez récupérer une partie de vos PV en contre-attaquant. Ah, d'accord. Et là, c'est quoi? À côté d'un ennemi, attaque viscérale. D'accord. Là, il y a quoi? Tirer avec ton arme au moment où l'ennemi attaque pour interrompre son action et le déstabiliser. D'accord. L'ennemi par derrière, une attaque chargée, il sera déstabilisé. Attaque puissante, attaque chargée. D'accord. Transformer l'arme, attaque de transformation. Ah d'accord, c'est ça. Alors soit elle est comme ça, soit elle est comme ça. D'accord. Ah mais parce que je tapais comme ça en fait. Avec la scie comme ça. La coupe scie comme ça. Donc en fait, c'était que de transformer l'arme. Donc là maintenant ça c'est la vraie arme, d'accord. Donc il n'y a pas de contre-attaque à faire en gros. En gros on peut pas trop se protéger en fait. Attends, prends les messages.
Allez, ils sont où les petits hommes? Ah voilà. Ah d'accord. En plus d'ailleurs on peut jouer en ligne dans ce jeu, c'est ça qui est bien. On peut jouer en ligne sur Bloodborne. Je sais pas s'il faut la... Bon c'est super, bon on va retourner là où on était. C'était le centre de Yardan. Voilà. Parce qu'on va pas retourner à l'infirmerie, hein. C'est de la grosse merde, hein. On va pas se le cacher. Parce qu'il y avait juste un loup-garou bizarre là, qu'on a tué. Une balle de sniper de rêve. Oh lui, je l'ai buté, oh lui, c'est comme mon chien. Alors, Yardan. Mais oui, j'ai attaqué comme ça en fait. Ben là on peut, ouais, attaquer comme ça. Si on l'attaque. Ah d'accord. D'accord, je casse des trucs. Eux ils vont tous pas attaquer en même temps, mais il y en a un qui va toujours le rush. Aïe 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 aïe, arrêtez, arrêtez s'il vous plaît, ça se fait pas, ça se fait pas. Alors lui je peux le tuer en un coup, mais là les autres voilà quoi. Ah ouais mais arrête, mais là tu me brûles là, mais putain. Désolé si je dis des grossièretés en live, mais franchement ce jeu t'es obligé de mourir au moins 10 000 fois pour le terminer, c'est pas possible. Et en plus, il faut être bien équipé. Là, on est équipé, mais comme de la merde. Je suis désolé, mais il y a une nouvelle mise à jour Fortnite. Ouais. Mais ils font que ça, sérieux. Moi, je l'ai même pas eu. Hein. Bon, tu sais quoi? Allez, hop. Là, en fait les mecs comme ça là, vous avez vu en gilet et en chapeau, en fait on peut les tuer en un coup. Les mecs au bouclier on doit les tuer en deux coups normalement. Voilà, lui voilà en un coup. Voilà quoi, en deux coups. En deux coups ils sont morts. Voilà les mecs comme ça. On va pas aller là. J'ai le chevalier noir, j'ai le roi de la rouille, j'ai la tête à la tête, j'ai le personnage. En vrai, on peut les tuer en 3 coups là, les rats de Jacob. Alors là, on a des balles. Mais tu l'as. Le rat de courbe, je l'ai. J'ai le voyageur. Oh mais je fais que de crever, ça fait du mal. Non mais ce jeu c'est obligé de finir avec au moins 10 000 morts, hein. C'est un truc de malade. J'imagine pas comment les gens qui font des vidéos de ce jeu arrivent à survivre à ça. Parce que là franchement c'est un jeu hyper dur. C'est le jeu qu'on n'arrive pas à jouer quoi, c'est incroyable. Ah d'accord. Après je l'aigle de la nuit, je t'appelle. Ah d'accord, on récupère.
récupère de la vie quand on contre-attaque, d'accord. On récupère la vie qu'on a perdue face à l'ennemi que... Ouais, d'accord. D'accord, bah c'est super ça. Ah bah voilà, bah flemme de sang. Bah voilà. Super. Ah ouais, c'est vrai que les caisses, ça casse. Ouais, ouais, t'inquiète, bah, j'arrive, regarde. Ah, allez. Ouais, ouais, dans une heure. Ah, pas plus loin. Oh, faut pas casser le banc, sérieux. Quand tu meurs, tu viens. Ouais. Ta vidéo. Voilà, il y a tout le monde. Oh là là, le monde qu'il y a. Le monde qu'il y a. Allez, on ton live. Alors, le monde qu'il y a, je crois que. Voilà, on va les laisser plutôt tranquilles. Voilà, on va leur faire. Ils vont faire leur rituel à la Kenny, là. Hein, ils vont faire tostestas, là. Allez, on va se barrer. Ah mais c'était là où j'étais tout à l'heure, mais merde. Ah non là. Oh. Oh c'est quoi ça? Oh tiens. Ouah ce qu'il m'a mis. Ouah mais c'est quoi ce boss? Ouais mais il faut bien s'équiper parce que je sais pas. Mais non c'est bon, ouais, comme ça, sérieux. Non ouais, c'est trop rapide sinon. Alors il y a encore deux morts ou on va refaire comme on avait fait, puisque là franchement là c'est trop répétitif, on fait la même chose. On tue les mecs qui sont qu'on peut tuer en un coup, mais après les morts, mais comme il est tombé. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Oh lui aussi. Oh il est mort en un coup. Ah d'accord. Ouais d'accord. Alors comme d'hab on casse des caisses mais ça donne rien. On casse des caisses comme ça. Regarde, tu m'as encore deux fois et Kenny. Ok. Alors là, il y a les Kenny là qui arrivent. On va faire leur toast estas là. On va faire des toast estas. Ah oui, on meurt, non. Arnaud, oui ou non? De quoi? Tu meurs encore deux fois. Ouais. Alors ça c'est rapide, mais ça. Ah d'accord, c'est plus rapide l'attaque avec l'épée recroquevillée que l'épée normale en fait. D'accord. Ah bah ouais c'est mieux hein. Bon on va pas attaquer le boss là, parce que là le boss il est un peu. Il a pas envie de nous voir. Hein. J'enlève le live. Allez hop. Voilà. Lui. Voir fiole de sang, bah merci, cher ami. En toi tu te réveilles d'un long sommeil toi. Et toi aussi, parce que tu vas te faire tuer. Voilà. Voilà, il s'est fait tuer celui. Alors. Arnaud. Ouais. Moi un abonné et moi un like. Ah ouais. C'est cool ça. Mais non, c'est toi même d'ailleurs. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Ça, franchement, c'est pas mal le décor, hein, mais bon. Franchement, je m'attendais à mieux d'un jeu de type Dark Souls. Hein, parce que le seul jeu de type Dark Souls que j'avais testé, c'était Lords of the Fallen. Et là. Non, on peut pas parce que c'est fermé par un mécanique.
Donc, c'est quoi, je vais retourner à la clinique. Voilà. Ouais, la clinique de Fortnite. D'affilée. Je vais retourner à la clinique pour voir si j'ai raté quelque chose. Mais je pense pas que j'ai raté quelque chose. Je pense pas, parce que là, c'est là où on était. Eh oui. Donc, du coup, y a pas grand chose à fouiller. C'était de voir des gens en train de crever, tu vois. Non, y a rien. Franchement, y a rien. C'est quoi, on va retourner dehors. À la ville. Il y a une mise à jour de 9 minutes. C'est quoi ce cheval? Putain, il a tué là le cheval. Putain, il a décédé au calme. Arnaud, tu vas faire combien? Tu vas live combien de temps? Je sais pas, je pense 8 heures. Après, je sais pas, Maxime. Je sais pas, parce que là, franchement, là, je suis en train de découvrir. C'est vraiment un truc de ouf ce jeu. C'est pas très bien le téléchargement, la 1 qui va 9 minutes et 1, ben c'est bon. Oh, allez, au revoir toi. Ouais. Ouais, il me dit tu es maudit. Je suis pas maudit, moi je suis un chasseur, moi je suis un vrai. Qu'est-ce que tu as fait? C'est toi qui es maudit, frère. Oh l'enfoiré. Heureusement que j'ai regagné de la vie hein, en contre-attaquant. Vous voyez une mise à jour de... Oh, ils arrivent. Aïe aïe aïe. Mais vas-y, m'a gonflé, putain! Ah non, mais c'est pas croyable ce jeu, sérieux! Oh, il t'a tué! Il t'a défoncé! Mais ils sont deux aussi, allez. Pourquoi ils arrivent à deux, putain? Il y en a pas un par un qui arrive comme ça. Allez, t'as encore une chance! Regarde ouais. Ta mise à jour de Fortnite si elle est finie! Mais je sais même pas parce que je sais même pas si elle s'est lancée, tu vois, ou si elle s'est faite pendant la nuit, tu vois. Non, moi c'est fait pareil. Salut Fébé, bienvenue sur l'œil. Ah voilà, je suis fou. Donc là, je suis en train de tester un jeu du PS Plus gratuit. Il s'appelle Bloodborne, hein, par les créateurs de Dark Souls. Oh, par derrière, le gars. Aucun respect. Je t'entends mal. Non, t'entends ah. Bien. Ah non, mais moi, c'est normal. Ah, mais peut-être, attends. Merde, comment on fait? Ah, parce que je fais un écho, Avec moi, je regarde la vidéo et t'es en vidéo. Ah, peut-être, ouais, t'es en écho avec le live, peut-être. Bon, ou alors, c'est en écho avec ta voix. Ouais, bof, les problèmes de son. Non, normalement tu m'entends très bien normalement. Ou alors c'est peut-être le jeu hein. C'est peut-être le jeu qui fait ça. Donc je vais peut-être baisser le son de ma télé. Ouais, c'est peut-être moi et le son de la télé, voilà. Hop. Voilà, je vais baisser un peu le son de la télé. J'espère que ça va aller mieux l'audio. Après je sais pas si c'est le son du jeu. Je me suis fait repérer par des jeux. Arnaud. Ouais. Il te manque une chance. Je jure qu'après tu viens sur Fortnite. Oui, t'inquiète, après je vais sur Fortnite, je vais arrêter de live parce que là, ça va un peu me gonfler. Parce que je sais que là je suis mort au moins 6 fois là. Toi tu es au palier combien Arnaud? Je suis au palier. Ben je suis juste après le. Je suis à la 4ème page, je crois.
défi. Enfin, j'ai pas dit. Je suis après le tas perdu en fait. Après quoi? Après le tas perdu. La danse là, tas perdu. Oh, mais le palier combien? Je sais pas, je suis dans les 30 et quelques. Oh, oh ça va, tu m'as fait peur, j'allais faire les paliers que moi. Ouais, mais si je remonte l'escalier. Ouah, mais comme ils tombent les mecs, c'est pas possible. Tu sais combien je suis palier? Ouais, je suis palier 41. Ouais, mais sans dire, tu m'as dit palier 100. Ouais, mais non, je rigolais. Ah. Ah, bah cet escalier, j'avais pas fait gaffe. Ah, mais non, c'est l'escalier où les mecs sont morts. Hein. Merde. C'est bizarre. J'avais pas fait gaffe à ça. Mais oui, mais je reviens au point de départ en fait à chaque fois. C'est trop bizarre. Peut-être que lui là, avec le fusil, je vais le tuer. Voilà, comme ça, je récupère des munitions. Normalement, il y a le gars là-bas. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Pour lui aussi. Voilà, comme ça j'ai récupéré de la vie pour notre attaquant et une fiole de sang que je vais utiliser maintenant. Voilà. Mais non, mais comment avec une torche tu peux me tuer? Une tonne de torches, à part me brûler un petit peu, oui, mais faire ça à trois reprises pour me tuer, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un truc que j'ai jamais vu dans des jeux de type Dark Souls. Franchement, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Mourir, recommencer, mourir, recommencer. En fait, c'est un die and retry. Enfin, c'est un truc de malade. C'est, ce jeu, c'est tu meurs, tu meurs. Même que t'as même pas le meilleur équipement possible, tu t'en fous, tu recommences. C'est vraiment bizarre. Alors quand l'épée elle est comme ça, elle fait des dégâts. Et quand elle est pas comme ça, elle fait pas de dégâts, tu vois. C'est trop bizarre. Et ouais, elle fait 100 de dégâts quand elle est comme ça. Donc c'est bizarre. Du coup, je fais comment? Oh non, mais il y en a un qui m'a repéré. Voilà, j'ai récupéré de la santé, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire, espèce de fermier, va? C'est Willy le jardinier, ouais. Dans les Simpsons. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est que quand l'épée, elle est comme ça, malgré qu'elle fait des dégâts, en fait, c'est que des attaques à courte distance. Et quand elle est comme ça, c'est des attaques à longue distance. Donc c'est vraiment bizarre. Oh, balle de vif argent et j'ai débloqué un autre truc. Thank you.
Ouais, mais c'est le bordel. C'est le bordel complet. C'est pas possible. C'est le bordel. Mais je comprends pas, dès que tu meurs, tu perds tes sous, sérieux. Mais ça, c'est genre, tu meurs. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse ce jeu, c'est bizarre. Franchement, j'adhère pas à ce style de jeu. Genre, tu meurs, tu recommences, si tu recommences pas, bon. J'aime pas. Mais ça va. J'aime le concept, mais franchement, voilà. C'est chiant de pouvoir mourir et recommencer comme ça. Ah, mais c'est. Ah, d'accord, c'est les citoyens de la ville qui sont corrompus en fait. Je comprends pourquoi ils parlent, les mecs. Les enfoirés, bah oui. Oh, cocktail molotov. Du fiole de sang. Bon, je vais attendre qu'ils se barrent, les mecs, parce que là, ils sont un peu encombrants. C'est une chienne quand même. Voilà. Ça recommence. Mais non, je peux recommencer. Écho de sang récupéré, écho du sang récupéré. Si j'arrive à me barrer de là. Merde. Je suis obligé. Oh non. Oh, je suis piégé. Putain. Et en plus, ils allaient mourir. Ces enfoirés, ils allaient mourir. Ils avaient que ça. Ils avaient que ça comme barre. Tu es mort. Arnaud, tu es mort. Mais, si tu es mort, je regarde ton live, j'ai juste un vaisseau. Eh non, je vois personne qui regarde mon live à l'instant. Eh ben si, moi je te vois. Depuis tout à l'heure, je te vois. Non, je vois personne, hein. Y'a personne, hein. Mais si, y'a une personne sur ton live. Bah, ça m'a pas dit pour l'instant. Oh. Ben, regarde. Oh, le mytho comme qui. Regarde une personne sur ton live. Ah voilà, ouais, maintenant oui. Mais sinon. Ah, c'est quoi ce chariot là? Voilà, donne-moi des trucs. Ah, la chaîne de sang, bah ouais. Vous voyez, je suis en mode Assassin's Creed, je te jure. Okay, mais c'est...
Mais si, je vais venir, oh là là, c'est juste que voilà. Oh là là, je sais quoi ce truc. Tous les lives que j'ai mis. Aïe putain. Bon. Ouais mais c'est bon, je vais finir sur Fortnite, il m'a gonflé, tu vois. Oh, je suis obligé de terminer un live comme ça, sérieux, mais non mais. Mais si je vais venir, oh là là, c'est juste que voilà, je vais terminer mon live pas comme ça, genre comme ça, je vais direct sur Fortnite, je vais quitter le jeu. Et là y a pas de salut et au revoir, tu vois. C'est dégueulasse. Attends. Les mecs qui avaient à ta gauche. Oh, là c'est quoi, c'est les mecs. Oh oui, je l'ai eu. Ah ouais, lui là. Lui, c'est son bâtard. Yes, je l'ai eu, ce bâtard. En plus, c'est Siri qui m'a tué. Oh là là. Oh, la vengeance, mon gars. La vengeance. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Mais chaud avec du poulet KFC. Voilà le jeu. Oh, lui, le même gars. Ah, j'ai eu. Oh non. Oh yes. Oh là là, je suis en train de les tuer tous. Oh, je suis chaud là. Il en reste plus combien? Il en reste plus que 3. Un avec un bouclier, un avec ça. Vu que j'ai 1500 de trucs. Ah mais il y a un ennemi là. Ah c'est celui au fusil. Ah non c'est celui à la fourche. Voilà. Ah. Allez au revoir. En plus il me fait. Ah il me fait au revoir tu sais quand il meurt. Oh là là. Eh je vais venir sur mon pet putain. Non je te demande pas ça. T'as dit pourquoi on fait quoi? Oh oui je l'ai eu. Oh j'ai eu tout seul tranquille. Fiole de sang, là les balles. Allez fiole de sang voilà. Oh mais c'est bon, bon là, j'ai tué tout le quartier là. Enfin j'ai presque tout le quartier puisqu'il reste 3 mecs. Oh mais là je suis hyper content là. En plus j'ai combien de sous? 1748. Je vais peut-être revenir dans le rêve du chasseur pour m'acheter des meilleurs trucs. Les meilleures armes, les meilleures. Parce que là, cette tenue, elle est trop bizarre, franchement. Ah, mais comment on fait pour équiper les. Ah, ouais, habillé, capuchon noir, tenue exotique, hop. Ah, d'accord, c'est tout. C'est tout ce que j'ai en fait. D'accord. C'est tout ce que j'ai. Bah, tu sais quoi, on revient là-bas. On revient dans le monde du chasseur. On lance des portes. Alors, on va voir. Alors, donne-moi des trucs. Tu les aimes pas? Est-ce que c'est grand? De quoi? T'as déjà eu plus un parc que pour toi? Ouais, ça a arrivé. Mais... Ben moi, je viens de l'avoir. Alors, couvre-chef. Alors là, ça fait quoi? Défense versus sang, défense versus... résistance. Là, y a quoi? Les calices. Mais y'a pas des nouvelles armes, sérieux. Oh. Je vais vendre. Oh mais je trouve que le chasseur là il est fini. Ouais. Feveille il a quitté en mode. Ben, gros Bambi. C'est un gros Bambi. Ah d'accord.
l'idée de bouger la manette, mais c'est... Ah non, c'est le pavé tactile, d'accord. Ah non, c'est même pas le pavé tactile parce que ça marche pas. Bien. Ah, je te dis mon stuff. Regarde, écoute. AK, vert, bleu. Ah, bah voilà. Fortifier l'arme. Ah, mais non, je peux pas la fortifier. Regarde, regarde. Écoute, ouais. AK bleu avec pompe tactique violet. Et après, j'ai une grosse popo, 15 bandages et une mini popo. C'est pas mal, non? Ouais. Et j'ai toutes les armes partout. Moi, quand j'ai une scar, je te le dis. Mmh. On a la recherche, il manque plus qu'une scar en or ou violet. Après, après, il me faut encore une grosse popo et une 3 mini popo encore. Oh, Boulanger, mais qu'est-ce que tu me fous de ton... Pour esquiver ces ronds, d'accord. Pour faire les roulades, d'accord. Et ouais, c'est pour ça, pour esquiver les attaques. Et ouais, je me disais, putain, mais... Ah d'accord, par contre, ça utilise de l'endurance. Bon, bah, du coup, les gars, cette découverte en live de Bloodborne, jeu PS Plus du mois de mars, gratuit, est terminée, touche à sa fin. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc, je vais... Donc, avec des petits moments de rage. Donc, c'est pas vraiment de la rage, hein. C'était juste que, franchement, ce jeu, il est un peu what the fuck. Tu meurs, tu recommences... mais sauf que t'es pas très bien équipé et tout, etc. Donc du coup c'est un peu bizarre. Donc je vais rejoindre mon cousin sur Fortnite. Et du coup bah, je vais bien m'amuser tranquille hors live. Voilà, donc merci à tous. Et à très bientôt pour de prochains lives et de prochaines vidéos à venir. Et n'oubliez pas, pour ceux qui regardent la rediffusion, de liker ce live même si c'est une rediff. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ceux qui la découvrent. Et d'activer la cloche de notification pour mater des lives et des vidéos à venir. Je vous laisse. Ciao tout le monde. Salut.